le sujet de la gueule, il met plein de son rôle. Salut, station en fréquence, les bonnes soirées 13:51 à vous tous de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous. Oui, je disais les bonnes soirées 13:51 à tous de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci également. Bon, apparemment, il a l'air de vouloir faire beau aujourd'hui. Enfin, du moins, j'espère, parce que c'est pas trop ce qui est prévu. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, et même pour toute la semaine, si j'ai bien compris. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas grave, on va faire avec, et puis voilà, quoi. C'est ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Ah, chi. Et puis perso, je m'en fous, la semaine prochaine, je suis en vacances. Ah, chi, trois coups. Yeah.
Daniel, les bonnes surprises 51 à toi, comment vas-tu? Ouais, affirmatif, putain, je t'entends très QRP ce matin. Ouais, j'ai des photos, j'attendais de t'avoir en fréquence pour te le dire, Hachi. Ouais, putain la vache, qu'est-ce que ça passe mal ce matin? Aïe, aïe, aïe. De toute façon, la semaine prochaine, j'y monte aussi, là. Je vais aller prospecter un petit peu là, par là-bas. Là, voir un petit peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Par contre, ce que j'ai vu sur les photos que tu as envoyées, il y a un terrain là qui est juste à côté qui pourrait éventuellement leur servir de parking là pour avoir plus de place. Oui, affirmatif, René, affirmatif. Voilà. Je suis surtout la société. Il y a le camping, il y a le parking camping-car. Il y a une photo là, tu vois ma voiture et derrière la voie des gens. Hein, et donc il y a le parking camping-car. Voilà, donc si tu veux, il y a tout ça. Il y a un terrain de foot à l'entrée du. C'est un terrain là, et juste derrière la salle, il y a un terrain de football. Voilà, donc il y a le parking, il y a tout ça. Enfin bon, il y a quand même de la place. Après, bon, c'est vrai qu'au niveau de la scène, je ne sais pas, parce qu'il y a des ouvertures, il n'y en a pas tant que ça autour de la salle. Hein. Ouais, t'as compté à peu près combien d'ouvertures? Alors principalement il y en a une devant. Voilà, principalement il y en a une devant. Après en façade, ce sont que des baies pleines. De grandes baies vitrées pleines, mais c'est tout. Hein. Il y a que l'entrée principale, autrement il n'y a pas d'autre. Après c'est des stades derrière et tout ça. D'accord, ok. Eh bien, comme à chaque fois, c'est le samedi, c'est-à-dire le samedi 30 juillet, voilà, c'est ça. Je vais partir le vendredi, moi, puisque je pense que tu seras le vendredi aussi, pour installer tout ça. Oui, affirmatif, avec Fabienne, on a réservé, on a trouvé un petit hôtel Ibis. Oh putain, bonjour la pub, sur Rochefort, là ça y est, la réservation est faite, puisque comme t'as vu là, vu où c'est placé, tout va être rapidement plein. Hein. Et puis il suffit qu'il y ait un séminaire, qu'il y ait quelque chose, alors là pour le coup, il n'y aura plus une seule place de libre. Donc c'est pour ça que Fabienne a déjà réservé, là c'est ce qu'il nous fallait là, de notre côté là sur Rochefort.
j'en ai discuté avec, avec Pascal. Lui compte dormir dans la voiture. Bon, ben pourquoi pas. S'il veut mettre sa voiture en camping-car, eh bien, ben oui, c'est, ça peut le faire aussi. Il faudrait que tu appelles Eric, 14 Victor Eco 27, là, pour voir avec lui, hein, justement, là, à ce niveau-là, quoi. Parce que moi, justement, je pensais pas si j'allais aussi là-bas. Arriver le vendredi, donner un coup de main, tu sais, pour mettre en place tout ça. Le matin, c'est tout. Et puis après, ben, écoute, le lendemain, je serai sur place. Hein. Voilà. Parce qu'en plus, il y a le camping qui est juste à côté. On est juste à côté du camping. Donc, tu sais, une nuit et une toile de temps, je pense que ça va pas coûter. C'est pour ça que je t'ai envoyé le prix de la, du nom du camping. Moi, je vais faire une recherche aussi. Et pour voir l'état des équipements. Et puis pour lui donner, peut-être que je t'enverrai au camping. Ah, ouais, ça, c'est un truc à suggérer à Pascal. Parce que, bon, pour nous, la réservation, elle est faite. Hein, donc, ça, c'est déjà bouclé. Se faire rembourser, ben, ça coûte encore plus cher que le prix de la chambre. Donc, c'est pas la peine. Attends, j'arrive au feu. Hein. Donc voilà, pour nous de toute façon, là c'est bouclé de ce côté-là. Hein. Attends, merde, les feux. Voilà, ok, de retour. Ouais, je disais donc, pour nous de toute façon, là c'est plus possible de revenir en arrière. C'est déjà bouclé. Donc faudrait, ouais, je vais faire en sorte d'en toucher un mot là à Pascal. Je vais voir là pour aller sur son forum là aujourd'hui pour lui laisser un message justement là à ce niveau là quoi. Oui, parce que là, justement, là comme je te redisais, la photo où on voit ma voiture. Il y a des gens qui jouent à la pétanque, qui jouent à la pétanque, et puis voilà, avec les camping-cars, donc les lumières de camping-cars, et au bout de la rue, sur la gauche, c'est le camping. Hein. Voilà, donc le camping est juste, juste à portée, hein, c'est donné derrière la salle polyvalente, c'est le camping. Ça permettrait d'être plus vite sur place. Hein. Ça ne me dérange pas si. Parce que ça peut avoir un chanteau tant que ça aussi encore là, de venir. Parce qu'elle a vu le coin, tout ça. Donc, bon. En plus, il faisait pas beau. Alors, bon. Je reste beau peut-être, mais là, je vais donner une mauvaise impression. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ben, je partirai pour le vendredi soir. Et comme ça, je pourrai être avec vous pour donner un coup de main à l'installation. Et puis. Demain matin, on fait l'ouverture tous ensemble. Oh ouais, c'est vrai que ce serait sympa comme truc. Hein. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Mais ouais, oublie pas d'appeler Eric. Hein. Ouais, mais écoute, je vous laisse avec lui parce que bon, s'il veut descendre aussi, voilà, parce que s'il peut descendre, on va vendredi soir, parce que si, moi je vais pas descendre pour remonter. Hein. Si je descends, je reste sur place et puis voilà, lui après, il se débrouille. Hein. Attends deux secondes. Voilà, ok, ça y est. C'est parce que là, je viens de je viens d'arriver là. Ah ok d'accord. Ah ben là dis donc moi j'ai du bruit hein. Sur Magudas là, sur la petite route de Magudas là, direction Martinez, je te dis pas le brouillard qu'il y a. Hein. Moi lui il veut pas baisser, on va lui mettre le. Voilà, non, quand même. Voilà, donc ok ben oui, non, je vois avec Eric si le okay, c'est pas partir la veille. Parce que moi je pense que je vais faire comme ça. Hein. Je vais partir la veille pour comme ça demain on donne un coup de main et puis.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pour ça que nous, c'est pareil. Vu la distance qu'il y a là de Sainte-Colombe jusqu'à Rochefort, enfin bon, un chouïa après, là, on s'est dit non, faut, on va pas s'amuser à faire les allers-retours. Non. Surtout que le vendredi soir, on n'arrête jamais de bonne heure pour la mise en place. Après le temps de faire la route et tout, se lever à quelle heure le lendemain matin, je sais pas, à 3h, non merci quoi, enfin je dis 3h comme j'aurais dit 4h, hein. Non, c'est pas la peine, donc là nous aussi on sera sur place, donc ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, Fabienne a vite regardé sur internet, elle a trouvé là un petit hôtel Ibis là sur Rochefort. Bon, au niveau prix, ça reste encore correct. Donc là, il est, ça fait bien une semaine et demie, je crois, deux peut-être. Ouais, enfin une semaine et demie qu'il est déjà réservé. Ouais, il reste encore de la place. Et non, parce que c'est vrai que si les réservations pour quoi que ce soit, hôtel ou camping, se font pas là maintenant, après ça risque, enfin très rapidement, après ça risque d'être foutu, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas, dis donc, je suis pas passé devant l'hôtel Ibis là, de Rochefort, dis donc. Putain la vache, ouais, là tu passes déjà un peu plus fort, là tu m'arrives même peut-être un poil écrasé, quoi. Peut-être que t'as parlé trop près du micro, là. Ah, chie. Je suis dans la même démarche, là. Oui, donc, comme je te disais, je crois que si c'est passé devant l'Ibis, on entend là-bas, hein. Mais ouais, parce que moi, je vais arriver par la 137, je vais pas arriver par l'autoroute, hein. C'est pour ça que je vais partir tranquillement le vendredi midi, matin je pense, et puis je verrai ça arriver là-bas, quoi. Après me trouver un petit truc pour bouger, je verrai ça. Ouais, par exemple, ouais, un truc comme ça, quoi. Et puis bon, si tu pars le vendredi, on se tient au courant, on s'attrape une fréquence. Bah tiens, pourquoi pas le canal 27 en USB, car on sera certainement pas l'un derrière l'autre. Et puis je sais pas, dans l'idée, ça pourrait être un truc comme ça, quoi. Oui, aussi, de toute façon, parce que vous partiriez quand, là, le vendredi en matinée ou en après-midi? Ah. Grande question. ouais, merci de m'avoir posé la question. Bah écoute, tu me tiens au courant en soirée, dès que tu es avec ta vienne, tu en discutes. Parce que effectivement, parce que moi je. Parce que tu montes par la 137 ou par la 137, c'est direct, hein. C'est direct, il n'y a pas de. Bon, il y a quelques radars, d'accord. Donc bon, on fait attention, mais ça roule bien en plus par la 137. C'est pour ça, donc j'ai pas envie de payer l'autoroute, hein. Donc je pense que je vais monter par la 137, moi. Ouais, ok, putain, j'ai un truc qui vibre là dans l'UHP extérieur, putain, c'est désagréable. Ouais, je sais pas, bah là aussi, faut que je vois ça avec Fabienne, si elle préfère qu'on prenne l'autoroute ou la 137, j'en ai aucune idée. Et toi, tu partirais comment? Plus le matin, j'imagine, vu la distance. Pour moi, le plus direct, c'est la 137, hein. Attends, le salon, c'est pas demain, c'est cet été, c'est le 30 juillet. Avoir le Québec en plein été, moi je demande à voir. Ouais,
bon, pourquoi pas, ben, je sais pas. Donc, oui, autrement, oui, ben, le 27, ouais, autrement, ben, non, remarquez, on reste sur le 27-275, en USD, comme d'habitude, là, pour le question national. Comme ça, ben, y a pas de problème. Voilà, ben, 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 écoute, je suis arrivé, je vais te laisser, parce que de toute façon, toi aussi, c'est l'heure pour toi. Puis on se tient au courant, ok? Ouais, ça marche. Bon, on a quand même du temps devant soi, là, pour ça, hein. Y a pas de problème. Ok, les bonnes 13:51 à toi. Bonne journée. Et à plus tard. Demain, pour moi, ce sera la même punition, hein. Ok, ben là, moi, je sais pas. J'ai repris sur l'appel, là. Jusqu'à dimanche, je suis là. Ok, bah oui, je m'en suis rendu compte. Tous les matins, je t'ai appelé. Quoi. Personne, quoi. Hachi. Ok, allez, je te laisse. À plus. Ok, bonne journée à toi, allez. Ok, Bandit 33, voilà, est-ce que t'es toujours là, là, pour voir si ça passe mieux? Putain, là, c'est vraiment pas top, là, de mon côté, là. Alors là, ça. Pourtant là, je suis pas très loin du Bouscat là pourtant, puisque là, je vois là, j'aperçois sortie Bruges 600 mètres. Donc là, je suis vraiment pas loin. Là, c'est bizarre que ça passe pas mieux, quoi. T'as vaguement entendu là, tout petit là derrière, le bandit 33, ouais, je t'entends vraiment à peine, hein, c'est à peine audible là, de mon côté là. Bon, attention, le bandit 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, ben, je sais pas si toi tu m'entends encore, le bandit 33. Je vais t'envoyer les bonnes 13:51, la bonne soirée. Et à la prochaine dans de meilleures conditions, car là je t'entends absolument plus du tout là, de mon côté. Merci quand même pour ce petit contact, bye.